Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc, comme je vous l'avais indiqué, aujourd'hui nous allons voir comment télécharger des podcasts si vous utilisez le navigateur internet Firefox. Donc, pour cela, je vous laisse ouvrir votre navigateur Firefox. Mon navigateur est ouvert. Je vais rechercher Audio Downloader. Prime. Alors, ça va être la même extension que sur Chrome. Au niveau des résultats, attention à bien lire ce qui est indiqué au-dessus du lien. Là, si je clique, c'est pour l'installer sur Chrome. Moi, je suis sur Firefox, donc je vais prendre le addon Mozilla.org. Arrivé sur cette page, il vous suffit de cliquer ici sur Ajouter à Firefox. Il vous demande de confirmer si vous souhaitez bien ajouter cette extension. Et il vous indique dans le coin en haut à droite que l'extension a été ajoutée à Firefox. Je peux cliquer sur J'ai compris. Mon extension va fonctionner à partir de maintenant. Nous allons aller sur le site de RTL. Sur le site de RTL, pour accéder aux podcasts qui vous sont proposés par le site, il vous suffit de cliquer tout en haut sur Podcast. La page des podcasts s'est ouverte. Donc, si je prends l'exemple de cette histoire racontée, je vais cliquer dessus. Vous arrivez donc à l'endroit où vous avez la présentation du podcast. Si je descends, je vais pouvoir faire lecture. Pour vous offrir chaque jour une histoire. Je fais pause. Que je n'ai pas besoin d'écouter la totalité du podcast. Je vais en haut à droite sur le petit symbole de Audio Downloader Prime. Je clique dessus et le fichier a bien été détecté. Il ne me reste plus qu'à cliquer sur la flèche pour le télécharger. Étant donné que je suis sur Firefox, je vois que le téléchargement a lieu avec cette flèche-là. Il me suffit de cliquer dessus. Et mon fichier est bien téléchargé. Pour le retrouver, je vais aller sur mon explorateur de fichiers, sur les téléchargements, et je retrouve bien mon fichier. Je peux ensuite le glisser dans Musique, et je retrouverai mon histoire qui a été mise dans mon dossier Musique. Si je veux prendre un autre podcast, il me suffit de recommencer l'opération. Avant de télécharger un podcast, cliquez bien sur le petit symbole de Audio Downloader Prime et pour supprimer ceux que vous avez déjà téléchargés pour ne pas vous emmêler dans tous les fichiers entre les téléchargés ou ceux à télécharger. Donc, téléchargeons un nouveau podcast. Je reviens en arrière. Je vais prendre celui-ci. La lecture du podcast se lance. Bonjour et bienvenue, 46e numéro de RTL avec vous. Nous Je sommes fais le jeudi pause. 14 mai. Je vais sur le symbole de Audio Downloader Prime. Mon fichier a bien été détecté et je peux lancer le téléchargement avec la flèche qui va vers le bas. Et ainsi de suite. Donc c'est pareil, sur le site de RTL, vous avez des podcasts originaux que vous pouvez aller chercher. Nous en avons terminé sur le téléchargement des podcasts sur Firefox. Il nous reste à voir comment le faire sur Edge. Ce sera l'objet de la prochaine vidéo. Je vous souhaite à tous une excellente journée.
Prenez bien soin de vous et à bientôt.